Bonjour, je m'appelle Tali et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai rencontré Jésus. Je suis guadeloupéenne et réunionnaise, voilà, je suis métissée. Et un jour j'ai fait une rencontre merveilleuse avec un Dieu merveilleux qui m'a sauvée d'addiction, de l'homosexualité et je vais vous raconter tout ça. Voilà, très jeune j'ai subi des agressions sexuelles. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi au milieu de violences conjugales. J'ai vu voilà, ma tante, ma mère prendre des coups. Et j'ai grandi comme ça en pensant que c'était normal et en pensant que eh bien, ça n'aurait aucune incidence sur ma vie. Mais bien sûr, je me trompais. Très vite, je pense, à cause de ça, j'ai voulu me cacher derrière des vêtements larges, des vêtements de garçon. Alors j'ai commencé à m'habiller comme un garçon et même à me comporter comme un garçon. Je voulais être un garçon, tout simplement. Et très vite, j'ai voulu reprendre le contrôle sur mon corps. Donc à l'âge où les jeunes filles ont commencé à se poser des questions sur leur sexualité, savoir alors est-ce que toi t'as couché avec un garçon ou pas, Eh bien, il m'est revenu en tête que même si je disais le contraire, je n'étais plus vierge et que ma virginité m'avait été prise contre mon gré. Alors j'ai voulu reprendre le contrôle sur ma sexualité et j'ai couché avec un inconnu comme ça sur une plage. Et j'ai continué ma vie, j'ai continué à fréquenter des garçons jusqu'à ce que je fasse une rencontre qui bouleverse ma vie. Je ne sais pas si t'es déjà arrivé de te sentir comme prisonnière d'une vie qui n'est pas la tienne, d'accumuler des choix, des mauvais choix, toujours les mêmes, de savoir que ces choix te rendent malheureuse, mais de ne pas réussir à faire autrement que reprendre toujours les mêmes décisions. Eh bien, à 22 ans, j'ai commencé à me droguer. J'ai commencé à prendre des drogues dures et ben ça a changé, ça a commencé à me changer, à changer ma façon de voir les choses, ma façon d'être. J'ai commencé à être attirée par les femmes, j'ai commencé à agir n'importe comment au travail, à agir n'importe comment avec ma famille, avec mes amis et j'ai perdu le contrôle. Alors que je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui aime garder le contrôle, j'ai toujours été comme ça, et bien là, je perdais le contrôle. Alors j'ai voulu reprendre ce contrôle et je me suis dit que m'éloigner de mes mauvaises fréquentations était peut-être la solution. Alors du coup, j'ai quitté la Guadeloupe où j'habitais pour venir vivre à Paris. Mais quand je suis arrivée à Paris, bah, c'était pire. C'est comme si j'étais devenue... Je sais pas, c'est comme si j'étais attirée ou que moi j'étais devenue un aimant aux personnes qui prenaient de la drogue. En fait, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, cette personne me proposait de la drogue. Et à tel point que le premier petit copain que j'ai eu en arrivant, eh bien, était un dealer qui voulait à tout prix que je voyage en transportant de la drogue pour qu'on se fasse de l'argent. Dieu merci, j'ai toujours refusé. Et depuis que j'étais arrivée sur Paris, malgré ces mauvaises fréquentations, j'ai réussi à tenir un moment, à tenir comme ça une année, à repousser, à dire non. Mais un jour, j'ai cédé. Et j'ai continué jusqu'à ce que je puisse plus m'en passer. C'est à tel point que j'en prenais tous les jours. Je mangeais plus, je dormais plus, j'avais tellement maigri, je ne sais même pas comment j'ai réussi à cacher à ma famille ou à mes amis proches qu'encore une fois j'étais en train de perdre le contrôle, quoi. En fait, à cette période, mon système de pensée avait complètement changé, mais en faveur du malsain. J'étais attirée par tout ce qu'il y a de malsain. C'était vraiment le début d'une longue descente. Ça a été progressif. Et
Je vivais la nuit, je travaillais en boîte de nuit, ensuite j'allais en after jusqu'à 13h, je dormais un petit peu. Ce qui fait que je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes anciens amis. Et en fait, j'étais entourée uniquement de personnes qui avaient la même vie que moi. J'ai connu l'argent facile en travaillant dans des boîtes de nuit parisiennes, sur les Champs-Élysées, où les gens ont le pourboire facile. J'ai connu l'alcool tous les jours. Et voilà, et j'étais dans cet environnement où tout ça, c'était normal. Se droguer, boire de l'alcool, aller en after, c'était normal. Je fréquentais que des personnes comme ça. Alors les gens bizarres, c'était les gens de la journée. C'est eux qu'on appelait les gens bizarres. Et j'ai continué comme ça. Je suis passée de la jeune fille qui n'aimait pas les boîtes de nuit. Je ne me sentais pas à l'aise en boîte de nuit. Je préférais... J'étais réservée, j'étais un peu... j'aimais les balades dans la nature. J'étais plutôt famille, plutôt qu'amie. Et là, tout d'un coup, est apparue la Nathalie, organisatrice de soirée. Je suis devenue une meuf de la nuit, une meuf de la night. Et on me connaissait dans le milieu parisien. J'ai organisé des soirées. C'était moi, c'était ma vie. Et je ne me reconnaissais plus. J'étais malheureuse. Mais ma famille ne le savait pas et mes amis proches ne le savaient pas non plus. Parce que je m'étais éloignée d'eux. Et dans tout ça, j'avais commencé à fréquenter des filles, j'avais arrêté les garçons. Et j'étais aussi dans ce rôle de lesbienne. C'était devenu moi et je croyais que c'était moi et que Dieu m'avait créée comme ça. Ça ne me dérangeait pas d'accumuler les femmes, d'accumuler les relations sexuelles. Ça ne me dérangeait pas qu'on me voie comme un don Juan à l'époque. Et la nuit, dans le monde, on dit drogue, sexe et alcool. C'était devenu ma vie. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Parfois, j'avais des moments de lucidité. Et dans ces moments de lucidité, je me disais, mais c'est pas ça, c'est pas ta vie. C'est pas... Mais je ne savais pas comment faire. Et la vérité, c'est que dans la Bible, il est écrit que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et c'est vrai. Parce que dans ces moments de lucidité, où j'ai pu peut-être faire des courtes prières et l'appeler à l'aide, il m'a toujours répondu. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidée. Je l'ai tatoué là parce que je ne connaissais pas encore Jésus. Mais c'est un verset qui m'a beaucoup aidée, c'est le psaume 37, 4. Tout le monde connaît le début. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je crois que c'est la suite qui me marque le plus parce que ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Place ta confiance en lui et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière. Et la vérité, c'est que Dieu, à chaque fois que je l'ai laissé faire, il a agi dans ma vie. À chaque fois. Il a d'abord changé ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde. Il m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je m'éloigne de certaines choses, de certaines personnes qui m'éloignaient du plan qu'il avait pour moi en fait. Mais jusque-là, je ne connaissais pas, je n'avais pas encore la révélation de qui est Dieu. Mais je sais que je priais et que je lui disais, Seigneur, je ne sais pas moi, je ne crois pas en la religion catholique, je ne sais pas si la religion musulmane c'est la bonne, je ne sais pas si la religion, si être bouddhiste c'est ce qu'il faut, je ne sais pas s'il faut croire en la pensée positive, je ne sais pas, j'ai essayé tout ça, mais je sais qu'il y a un Dieu, je crois en toi, je sais que tu m'as déjà répondu. Et aujourd'hui, je veux que tu agisses dans ma vie. Et je sais qu'il l'a fait, il l'a fait en me délivrant de mes addictions, il l'a fait ensuite en me libérant de mon homosexualité. Et un jour, j'ai fait une rencontre avec lui, alors que
alors que je le priais souvent pour lui dire « mais montre-moi le chemin, dis-moi où tu veux, quelle religion tu veux que j'adopte ?» Eh bien, il a changé ma cousine. Il a changé ma cousine qui a un fort témoignage aussi. Et je l'ai vu changer, je la considère comme ma sœur. Je l'ai vu vraiment changer et c'est vraiment cette lumière qu'elle dégageait tout d'un coup qui m'a frappée. Et je crois que ça a été ça ma rencontre avec Jésus, parce que ce qu'elle dégageait, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais par la pensée positive, par toutes sortes de choses et que je n'ai jamais eues, et c'est ce que je cherchais. Elle dégageait une telle lumière que, alors qu'avant je me disais elle est dans une secte, c'est du n'importe quoi ce qu'elle raconte, et bien tout d'un coup je me suis dit, ce qu'elle vit, je veux le vivre. J'ai été à son baptême et quand j'ai entendu son témoignage, quand j'ai entendu tous les autres témoignages, je me suis dit ces jours-là, ce qu'ils vivent, c'est ça que je veux vivre. Et ça a été comme ça ma rencontre avec Dieu. Et j'ai continué à le chercher, j'ai continué à aller à l'église sans trop savoir ce que je cherchais, sans savoir que Jésus était Dieu. Mais en tout cas, je sais que je voulais avoir cette même rencontre, avoir ce même témoignage, ces mêmes miracles qu'il y a eu dans leur vie. Et un jour, eh bien, c'est comme si Dieu me disait « c'est le moment ». C'est comme s'il me disait, ça y est, je t'ai attendu, je t'ai assez attendu, et maintenant c'est le moment. Et je me suis levée et je l'ai accepté dans ma vie. J'ai fait la prière de repentance et j'ai dit, oui Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie, comme Seigneur, comme Sauveur. Et j'ai reconnu mes péchés, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et ce jour-là, alors que je me disais, tous ces gens qui tombent, là, moi, je tombe pas. C'est de la comédie. Il m'a rempli d'une paix, mais vraiment d'une joie incroyable. Quand j'ai fini de répéter les mots du pasteur, eh bien, je me suis dit, oh, ça va, ça m'a rien fait. Et tout d'un coup, je pouvais plus rester debout, j'ai dû m'asseoir et j'ai commencé à rigoler, mais c'était nouveau pour moi. J'ai commencé à rigoler et dans ma tête je me disais, mais arrête, on te regarde. Mais j'avais tellement d'amour et tellement de joie et tellement de paix en moi que je pouvais pas m'arrêter. Et depuis ça, eh bien, ça a été une succession de victoires dans ma vie. Dieu m'a donné la victoire sur des maladies. Il m'a donné la victoire sur la colère que j'avais en moi, la victoire sur des rancœurs que j'avais, sur des peines que j'avais. Il m'a donné la victoire sur l'addiction à l'alcool que j'avais, parce qu'au final, j'avais fini par être alcoolique et je ne m'en rendais pas compte, mais je buvais tous les jours. La victoire sur la cigarette. Et aujourd'hui, ma vie est une victoire. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'aime beaucoup ce verset, je crois que c'est mon verset préféré, de Romains 8, 38, qui dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Par rapport à l'homosexualité, alors en fait, quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai commencé à aller à l'église, on m'a vite montré des passages de la Bible me disant, en bref, Dieu ne veut pas de ça. Mais je n'avais pas cette conviction en moi. Moi, je me disais, il m'a fait ressentir son amour, il m'a fait ressentir sa paix, sa joie, il m'aime comme je suis, donc je ne vais pas changer. Et je me disais même, de toute façon, c'est lui qui m'a faite comme ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en acceptant Jésus dans ma vie, je recevais le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, s'il avait commencé à me changer progressivement sur certaines choses, il continuerait son travail tant que je le laisserais faire. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas un homme ou la lecture de la Bible qui m'a convaincue, c'est vraiment le Saint-Esprit en moi qui à un moment m'a dit
c'est pas le plan que j'ai pour toi. J'ai des plans pour toi, mais ça en fait pas partie. Et du coup, j'ai essayé de moi-même d'arrêter. Bien sûr, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce qu'en plus, je pense qu'à ce moment-là, Dieu voulait changer encore certaines choses. J'organisais des soirées lesbiennes de striptease pour femmes. Donc je pense que Dieu, il y va par étapes. Il voulait déjà peut-être arrêter ça avant de... Donc j'essayais par moi-même avec cette conscience. Et des fois, j'en parlais autour de moi et je disais à mes amis homosexuels, mais dis-moi, est-ce que tu crois que c'est vraiment le plan de Dieu? Qu'est-ce que tu penses? Etc. J'essayais d'en parler. Donc voilà, ça trottait comme ça en moi. Et j'ai même essayé une délivrance. On m'a proposé de prier pour moi et ça n'a pas marché non plus. Il a vraiment fallu en fait qu'un jour je saisisse par la foi, que je dise voilà Seigneur, je sais que c'est la vérité. Aujourd'hui, je sais que ta parole, ce que tu dis, c'est vrai, mais seul, je ne peux pas. Il faut que toi, tu viennes me changer. Il faut que toi, tu m'aides. Je veux sortir de ça. J'ai compris que ça ne te plaisait pas. J'ai compris que ce n'était pas le plan que tu avais pour moi. Mais aide-moi. Et c'est comme ça, en fait, que depuis cette prière, je sortais avec une jeune fille à l'époque. Et en tout cas, je fréquentais même plusieurs jeunes filles, d'ailleurs. Et en rentrant, la jeune fille qui était à la maison, je lui ai dit, écoute, moi, Jésus m'a changé, en fait, tu peux rester, si tu veux, on va apprendre à connaître Jésus ensemble, mais il ne se passera rien. Et je pense qu'elle est restée en se disant, peut-être que c'est des bêtises et que ça va durer qu'un temps, mais non. Il m'a entièrement et miraculeusement libérée de toute attirance envers les filles. Voilà. Aujourd'hui, j'en parle pas forcément, mais j'ai encore des combats. Parce que même Paul disait « je cours vers la perfection ». C'est une lutte constante contre la chair. Parfois, j'ai encore... certaines femmes appellent ça des maris de nuit. Voilà, il m'est arrivé d'avoir des femmes de nuit et de devoir me réveiller, prendre position et dire « non, je chasse ça au nom de Jésus ». Prendre position. Et je pense que, voilà, si je le dis aujourd'hui, alors que je ne l'avais jamais dit, c'est qu'il y a une raison. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va me regarder, qui passe par la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se battent contre ça. Et la vérité, c'est que moi, la seule solution que je peux donner, c'est de se rapprocher de Dieu. Parce que plus on se rapproche de Dieu, plus on cherche Dieu et plus le diable s'éloigne. C'est un combat, mais on ne peut pas le faire seul. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Et moi, ma solution, ça a été la louange, la prière, adorer Dieu, lire la parole. Quand je ne savais pas prier, le Saint-Esprit, après mon baptême, il m'a dit « je veux que tu me loues ». Et pendant 2 semaines, je louais Dieu pendant 2 semaines non-stop. Et j'ai eu une délivrance comme ça. J'ai senti que j'ai eu une délivrance comme ça grâce à la louange. Donc la solution que je peux donner par rapport à ceux qui se battent contre ça, c'est de continuer à chercher Dieu et de ne pas se battre seul. Très vite, j'ai eu envie d'évangéliser. En fait, j'ai témoigné le jour de mon baptême et j'ai eu des retours après de personnes qui ont été touchées, des personnes qui ont voulu se baptiser après. Et j'ai moi-même été touchée après des témoignages. Alors très vite, j'ai eu envie de parler de Jésus autour de moi, de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie et même de ce qu'il a fait dans la vie d'autres personnes, de ma cousine, etc. Et j'ai commencé... avoir des signes qu'il fallait que je témoigne dans le métro. Voilà, Dieu s'est même servi de païen pour mettre cette idée dans ma tête. À l'époque, je ne connaissais pas encore le pasteur Ceballos et je suis tombée sur une vidéo de Cospiel. Et en tombant sur la vidéo de Cospiel, j'ai pu voir que le pasteur Ceballos faisait des cultes et j'ai eu l'adresse. Donc je me suis dit, voilà, il faut que j'y aille. J'ai vu H24 pour Jésus, je me suis dit voilà, il faut que j'aille regarder. Je ne pensais pas que j'allais le faire, mais je me suis dit il faut que j'aille regarder.
Et c'est vrai que très vite, Dieu a mis cette assurance dans mon cœur que non, tu ne vas pas seulement regarder, tu vas aller prêcher dans les métros. Je m'en sentais pas capable, hein, mais j'ai dit ok, j'y vais et au moins je vais regarder. Et la façon dont je suis arrivée dans cette église, c'était vraiment conduit par Dieu parce que je ne trouvais pas l'adresse. Je n'avais pas la bonne adresse, j'allais partir. Un jeune homme est sorti de nulle part et il m'a dit « J'ai le numéro du pasteur Semayas. » Enfin, il m'a dit « Je vais à telle adresse, tu ne sais pas où c'est ?» J'ai dit bah, « J'y vais aussi, c'est l'église du pasteur Semayas. » Et il me dit « Oui. » Il me dit bah, « J'ai son numéro, viens, on l'appelle. » Et voilà, donc là, c'était vraiment conduit. Et depuis ça, eh bien, j'ai commencé à évangéliser avec lui. Donc c'est un peu une école d'évangélisation parce qu'on apprend à évangéliser là-bas. Et j'ai très vite appris, j'étais au contact de frères et de sœurs merveilleux. Et le pasteur Semayas m'a aussi beaucoup encouragée. Donc ce qui fait qu'après, j'ai été encouragée à ouvrir mon propre ministère, encouragée aussi par le pasteur Semayas. Et donc on va évangéliser dans les métros, dans les rues. On organise des maraudes aussi pour aider les démunis, leur amener à manger, des vêtements, puis surtout l'amour de Jésus. Parce que je crois que quand Dieu disait qu'il faut aimer son prochain, c'est aussi à travers des œuvres, à travers des actions. Et aujourd'hui, mon désir, c'est d'influencer des personnes, de motiver des jeunes, de motiver des chrétiens et de leur dire, quand Dieu a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est parce que c'est un commandement, on doit le faire. On doit le faire parce que Jésus revient bientôt et il y a des vies à sauver, il y a des âmes à sauver et il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. J'ai vraiment la grâce, je dis que c'est une grâce, j'ai la grâce que Dieu ait permis que je sois consciente de ça. Et je prie vraiment que le diable vienne ôter le voile qu'il y a sur les yeux de certains chrétiens et cette peur qu'ils ont d'aller évangéliser, d'aller parler de Jésus. Aujourd'hui, c'est ça le fardeau que j'ai dans le cœur. C'est vraiment de pouvoir motiver les personnes et continuer à voyager un peu. Aujourd'hui, je parcours un petit peu les villes de France pour évangéliser et avec l'aide de Dieu. Et si c'est ce qu'il veut, si c'est sa volonté, et je suis prête à parcourir le monde et même à risquer ma vie pour lui parce qu'il a sauvé ma vie, quoi. Il a sauvé ma vie, donc je lui dois tout. Ma vie lui appartient, mon cœur lui appartient, mon âme lui appartient. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, donc c'est Tali Lève-toi et brille. Sur ma page Facebook, c'est Tali CZL. Ou sinon, vous pouvez venir sur ma chaîne YouTube. Je vous conseille de venir sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Lève-toi et brille. Seigneur, je te remercie de me donner l'opportunité de prier pour mes frères et sœurs qui me regardent aujourd'hui. Et Seigneur, je crois que tu as un message aujourd'hui pour quelqu'un qui nous regarde. Et tu veux lui dire que tu l'aimes. Que tu l'aimes et que tu ne l'as pas oublié. Tu veux lui dire, Seigneur, que tu as un plan pour lui. Un plan de paix, un plan plein de joie, plein d'espoir. Et tu lui dis de rentrer à la maison. Tu lui dis de ne plus se battre seul. Et je prie, Seigneur, que cette personne qui regarde aujourd'hui, quels que soient ses combats, revienne vers toi, Seigneur. Je prie que cette personne qui regarde aujourd'hui, soit touchée là où elle est, par ton amour, par ta paix, par ta joie. Je prie que cette personne, Seigneur, aujourd'hui, n'ait plus jamais à se battre seule, mais qu'elle sente ta présence en tout temps. Je prie, Seigneur, que de la même manière que tu as changé des vies, des millions de vies, que tu changes sa vie aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, maintenant, sur la vie d'une personne, que toute chaîne qui le retenait captif, de la colère, de la peine, de la rancœur, soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que toute personne qui a des combats contre l'homosexualité, contre une addiction quelconque, soit guidée par ton Saint-Esprit, Seigneur.
afin de sortir de cela, afin de se libérer de tout joug de l'ennemi. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de ce que tu agis, Seigneur, aujourd'hui, dans la vie d'une personne. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu agis aujourd'hui, dans la vie d'une famille. Je te remercie, Seigneur, de ce que aujourd'hui tu accomplis, Seigneur, ta parole qui dit que tu fais de nous une lumière dans les ténèbres. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous t'aimons, nous t'adorons. C'est dans ton puissant nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jesusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.